Salut à tous les gamers, aujourd'hui on se retrouve sur le jeu Ambulance Car Mega Ramp Stunt. Donc on est parti dans ce gameplay. Et donc aujourd'hui notre objectif, vous allez tout de suite comprendre c'est quoi. Mais avant ça, je vais vous expliquer un petit peu comment on va manier le véhicule d'ambulance. Donc là il y a une petite cinématique qu'on va laisser passer. Je pense que vous avez deviné pour la première mission. Voilà, donc là on va emmener la personne qui est blessée, hop, et donc là on est parti pour la première mission les gars. Donc notre objectif c'est de réussir, c'est d'essayer en tout cas de réussir la mission impossible dans ce gameplay. Donc on est parti, donc pour gérer ce véhicule vous avez les pédales de droite qui sont les pédales de frein et d'accélérateur. Et vous avez également le volant qui se situe juste à gauche de votre écran, avec laquelle on va manier tout simplement ce véhicule d'ambulance. Donc hop, première mission effectuée, on part pour la deuxième mission les gars. Donc vous avez les étoiles, donc on a trois étoiles, excusez-moi, à récolter sur notre route. Donc là on en a récolté 1 sur 3, deuxième, hop là je suis tombé. Et donc on a 3 étoiles à récolter pour la mission. Donc on a aussi également 2 vies. Donc si jamais on tombe une fois, c'est pas bien grave. Mais la deuxième, ça risque d'être fatal. Donc on va essayer quand même de se concentrer. Puis il faut savoir aussi que c'est un jeu qui reste très compliqué au niveau du volant. Il faut vraiment savoir le gérer. Donc pour ceux qui pourraient débuter dans ce genre de gameplay, les gars, n'hésitez pas à vous entraîner avant d'attaquer l'émission. Donc je vous ai laissé le lien du jeu dans la description pour tous ceux qui voudraient le télécharger. N'hésitez pas à le télécharger, je sais que ce genre de jeu vous plaît énormément sur la chaîne. Donc j'hésite pas à vous les partager les gars. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter la vidéo si cela vous plaît. Ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à progresser de jour en jour. Donc hop, on va récolter la troisième étoile. Puis on va passer les missions, plus ça va devenir compliqué, hein, vous allez tout de suite comprendre. Puis les étoiles qu'on récolte aussi vont nous servir à débloquer d'autres véhicules avec lesquels on pourrait faire les missions. Donc il faut savoir aussi qu'il y a des véhicules qui sont tout simplement génial dans ce genre de jeu. Dans ce jeu plutôt. Donc c'est parti, nous notre objectif c'est de récolter un maximum de points les amis. Donc hop hop hop, allez on est parti. Avec un petit saut par là, super. Hop là. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas de timing hein, aussi dans ce jeu. Donc ça nous facilite un petit peu la tâche. C'est vrai qu'avec un timing là, on n'aurait pas été, très bien. Allez, prochaine mission. Virage à gauche, voilà, super. Un petit virage à droite, voilà. Donc là, on commence à maîtriser pas mal quand même. Hop, super. Donc les conseils que je pourrais donner à tous ceux qui pourraient débuter dans ce genre de jeu, c'est tout simplement de freiner quand il le faut les gars, et surtout d'utiliser le nitro que dans les lignes droites. Donc regardez le véhicule que j'ai débloqué, donc c'est une BMW et elle est tout simplement géniale. Donc je sais pas ce que vous en pensez, laissez moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez au niveau du graphisme, au niveau du de l'esthétique de la voiture, mais ça c'est tout simplement génial, j'adore.
puis il faut savoir qu'elle voit deux fois plus vite, donc avec ça il va falloir vraiment se gérer les gars. Elle est géniale cette voiture, elle est tout simplement incroyable. Allez, donc on est parti pour faire la mission avec ce véhicule. Hop, donc bien freiner, voilà, comme je viens de le faire. N'hésitez vraiment pas à freiner les gars, ça c'est très important. Allez, un petit coup de nitro juste là. Hop. Voilà. Super. Hop là, un petit virage à gauche. Et un petit virage à droite, c'est très bien. Là, on est pas trop mal pour l'instant. Et on passe à la prochaine mission. Donc, toujours avec la BMW. Savoir aussi que ça c'est pas le seul véhicule hein. Comme je vous ai dit, il y a plein d'autres véhicules, il y a des Lamborghini, des Mercedes, il y a vraiment de tout. Ouh là là, vous voyez le petit freinage à temps, heureusement il a servi. Hop là, super. Et on passe à la prochaine mission. Donc toujours 3 étoiles à récupérer les gars. On va essayer de les récupérer tous hein, même si c'est quasi impossible des fois, mais bon. Super, on a récolté les 3 étoiles. Allez, on va essayer de terminer la mission comme il se doit. Voilà, avec un petit coup. Super, et on passe à la prochaine mission. Et donc là, encore avec une autre BMW. Et cette fois-ci, c'est encore un autre modèle. Je sais pas c'est quel modèle, mais il est tout simplement génial, je trouve. Il rend super bien. Allez, on va récolter encore nos 3 étoiles. Donc toujours 2 vies à ce stade du jeu. Oh là 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 là, j'ai pas su gérer le frein, c'est pas grave, il nous reste encore une vie. Allez, c'est parti cette fois-ci, on va essayer de faire les choses bien. On va essayer de gérer le freinage à gauche. Voilà. Petit virage à droite, c'est au top. Oh là là, le grand saut, tout simplement génial les amis. Super, donc voilà les amis, c'est bientôt la fin du gameplay. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, faites sonner la cloche. Moi je vous laisse sur la fin de la séquence et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.